petit nouveau de la SOA, Corki, un petit nouveau tout court. Et on va partir sur Just Veil, Zavarsi. Stargame sur Just Veil, la petite map average de tous les côtés avec la plateforme qui bouge au milieu. Ça commence déjà en beauté. Ça se cherche beaucoup. Ça se cherche et ça se joue. Malheureusement, ça va trouver un pari tout de suite, un petit combo avec un bon petit damage output pour le joueur d'Arcane. Ouais. Et globalement, le match-up il est relativement gagnant pour Claren. Si on sait bien le jouer, j'aurais tendance à le résumer comme ça. C'est parce ça, parce que Arcane, ça peut aller très vite. C'est ça, et surtout Arcane, c'est un perso qui est assez tricky quand tu connais pas le perso, je trouve. Tu peux facilement te faire avoir parlé du personnage, il peut facilement te faire des très mauvaises surprises. Donc tu peux très rapidement perdre le contrôle de la game sur la moindre petite erreur. Et perdre le contrôle de la game, justement, c'est un peu ce qui se passe avec Fugère qui arrive à trouver des ouvertures mais qui arrive pas à les concrétiser. A l'inverse, Corki, dès qu'il va choper le moindre coup, il va pouvoir suivre un petit peu. Ouais, et là, on voit tout de suite le bull, le back air. La première soc qui va partir sur un petit galactique effet des plus agréables pour Corki. Et là, ça commence à être compliqué parce que... A l'instar d'Arano, ce qu'elle vient... Oh non. Ouh, la plate qui a fait une mauvaise blague. On était à ça, on était à ça d'SD de manière un peu bête. Là par contre on est dans la phase compliquée pour Corki. Il n'a pas sa puddle, les orchidiens ne passent pas. Ça va tomber. Il s'est laissé, il n'est même pas réessayé de monter avec une air d'eau, lui il est... Ça reprend l'avantage, il vient de perdre, ça fait oula, Fougère qui se fait un peu jongler. Surtout qu'avec un 11% de dégâts sur les upper et une belle éjection, je pense pas que le prochain aurait été... Bah, c'est... on va dire. Le EPR fait partie de ce genre de très mauvaise surprise de la part de Arcane. Ça tue extrêmement vite, ça sort de manière assez surprenamment vite aussi. Ça peut spike en plus en dessous au niveau du bidon et hop là, Don't Smash EPR. Très très beau petit combo de Corki du coup qui va prendre la deuxième stock. Et là, à nouveau, on est dans cette situation un peu compliquée. Le side B qui je pense était un miss input. Ouais, je pense que c'était un miss input aussi. La petite tone derrière pour dire j'ai raté. Tu vois, très drôle. C'est vraiment mon truc préféré quand un joueur fait n'importe quoi, se plante et perd sa stock, mais comme une nouille. Et tone. Ah bah en mode je suis trop fort, regarde. Le spaghetti gaming, c'est merveilleux. Ça, ça fait oulala. Très très beau pari, et là c'est fini. Fougère, il a plus l'occasion de revenir. Fougère, c'était un très très beau pari. Mais Fougère, du coup, j'ai les replays. C'est ça qu'on fait surprendre par le niveau de la DI, ouais. J'ai pu avoir le replay juste derrière, avec un petit décalage pour revoir l'action. Et l'avare est formelle, hein, c'est la surprise fut totale pour Fougère. Malheureusement, Corki, bah, un bon petit smash, ça fait du bien. Ouais. Et c'était là-dessus que ça a terminé. On va aller du coup sur un counter pick assez étrange, Tempest Peak. Ouais, Tempest Peak, la map, le même en termes de map que tout le monde déteste hein, sur ce jeu. Et bah écoute, je crois que Fougère serait d'accord avec moi de penser que c'est pas une map horrible pour Claren. Du tout, c'est que ça, c'est une bonne map pour Claren. Ouais, je suis même d'avis à penser que c'est une très bonne map. Et là, on voit justement là où c'est très très fort. C'est qu'autant, Dofim l'a souvent conseillé, je comprends pourquoi, de plate camp Arcane. Oui. Mais être juste sous la plateforme et attendre son adversaire, c'est terrifiant quand on est face à une Claren. C'est ça. Globalement, Claren, c'est juste capable de d'agir en deuxième et de gagner parce qu'il y a de la range et il y a la possibilité de réagir à quasiment toutes les attaques, toutes les agressions. C'est absolument ça, et vu que les plateformes sont assez renfermées et tout bordel, on a un peu une espèce de sensation claustro en fait là-dedans, sur cette map, je trouve. Ce qui fait que Claren elle est fortement à l'aise, vu qu'à partir du moment où tu atterris sur la plate, tu te prends une attaque, obligatoirement. Tu prends obligatoirement un coup et ça. Ça c'est fâcheux. Ouais, là il y a un petit fail qui a coûté une stock, mais le EPR rate Revenge Kill instantanément. Ah bah le Revenge Kill. C'est moi qui fous jamais sur une référence. Aïe aïe aïe. Ah, effectivement, il y a un petit côté sang, je l'avais pas forcément remarqué, mais ça m'étonnerait pas. Tu vas avoir un mauvais temps, hein, comme dirait Zonix.
Le side B du coup de Fougère, Fougère qui s'adapte pas mal hein. C'est, on plaisante, on est tranquille, mais l'adaptation de Fougère est vraiment très très agréable à regarder. Ouais. Et il arrive à comprendre un peu comment ça, ça tourne en face. Et ça c'est un truc que j'ai eu le plaisir de voir, oula il voulait rire d'un pied. Mais un truc que j'ai eu le plaisir de voir avec le Ladder of Heaven, c'est vraiment que Fougère, à partir du moment où il commence un peu à comprendre ton gameplay, il va arrêter d'un peu trop paniquer tout bordel, il va vraiment avoir le neutral qu'on lui encense, qui est un très bon neutral, il va être très patient, il va beaucoup punir. Et là on vient de voir, au-delà même du neutral, c'est son exécution pour les déplacements, tout à fait convenable. Et accessoirement, du coup, la petite bisnouf à me confirmer si c'est un main Orcane. Il me semble qu'Orcane ne fait activement son up B où il ressort par la puddle que s'il le maintient et qu'il peut du coup cancel son up B. Et du coup, c'est ça qui a feinté, je pense, le joueur de Fougère à l'instant. Si on revient à la game, du coup, petit kill de la part de Corki qui va choper. Et le rival shit, c'est extrêmement even comme game. C'est pour le moment, comme dirait un ami qui s'appelle Fabayou, c'est la game des deux joueurs pour le moment, les deux peuvent encore remonter. Complètement. Avec malheureusement quand même pour Fougère un petit avantage au pourcentage. J'allais dire, problèmes, Fougère qui commence à prendre un peu de retard au niveau des pourcents, il est à 10% là actuellement. Une très mauvaise surprise peut arriver à n'importe quel moment, toute la part d'Orcane. Et là on est vraiment... Et là non c'est cuit. Et ça ouais, c'est cuit. C'était cuit. Malheureusement Fougère n'arrivera pas à remonter à pas grand chose. Mais les élections d'Orcane ont fait que... Les 10...